Salut tout, on se retrouve pour un nouvel épisode. On est sur Endless Legend. Dans le dernier épisode, on avait affronté quelques bestioles, on s'était promené et surtout on avait choisi des choses à faire dans nos villes. Pour l'instant, je connais pas beaucoup mes voisins, mais vu que je me suis rendu compte que j'avais trois colons en cours, on va en installer un. Bah, un ici. À vérifier, mais je pense que c'est le plus intéressant. C'est une ville qui sera facile à défendre près des autres. Un très au sud, ça va être une ville très exposée, mais je pense qu'on peut s'en sortir. Et un, bah, le plus stratégique pour la défense, ce serait de venir le placer ici ou là-haut, s'il y a des trucs nettement plus intéressants. Toutes les cases font 2, c'est pas trop mal. Je peux aussi mettre. Oh, je peux me mettre. Pas très loin du 6 et pas très loin du 4. Ah, il y a un 5 sinon là. 5, 2, 3. Pas mal. Ah, mais c'est la région d'à côté, suis-je bête. Bref, on verra en temps venu. J'ai une unité qui se déplace. Ok, ici j'ai aussi une unité que j'aimerais faire venir là-bas. Et mon armée principale, on va. Je pense qu'on va tuer les IA. Presque histoire de s'occuper. Où je parlemente? Non, on va les attaquer. Très bien. Je suis prêt au combat. Je suis satisfait avec cette disposition. Toi, viens te placer là. Toi. Toi, viens te placer là. Toi. Là. Toi. Là. Toi, tu peux aller jusque-là? Non. Toi là et les autres bas derrière. Mon héros va peut-être y passer. Il en aura quasiment eu un avant. Avec un peu de chance, c'est lui qui va l'achever, il va gagner de la vie. Ça va, on a un grand front. Ah, c'est peut-être lui qui va l'achever. Ouais. Et lui, il va rien avoir à taper. Ah oui, bah oui, à leur tour, j'oubliais. Bon, je me rends compte au fur et à mesure, en jouant à ce jeu, qu'il y a plein de trucs géniaux à faire avec de l'or. Surtout avec ce peuple-là, où la population dépend de l'or. Tout dépend de l'or. Donc, tu vas venir là, tu vas le taper, c'est pas grave si tu crèves. Toi, tu vas venir. Non, toi, bon, toi, tu vas attaquer. Où tu vas là? Je pense pas qu'il puisse. Tu vas attaquer. Toi, tu vas venir là. Toi, tu peux aller là-bas. Et toi, tu veux aller là-bas? Pourquoi pas là, par exemple. Hop, c'est parti. Bon, ça sent la fin pour mon héros s'il contre efficacement. Ah, c'est vrai qu'il contre sur les trois voisins. Achevé, je pense. En fait, il y avait personne qui. Ah, si, c'était mon héros avant. Hop, un petit boost de vie. Ils ont complètement régénéré.
On va pouvoir les entourer, oh là là. On va juste demander de bien focus à peu près les mêmes. Puis voilà. Hop, c'est parti. Alors du coup il en a tapé 3 lui. Et il est mort. Ah mais comme c'était des contres, j'ai pas gagné la vie. Bon. J'aurais préféré qu'il aille taper lui. Mais bon. Régénérer bah tout le monde dessus, ou alors est-ce que toi par exemple tu t'en vas, donc toi tu vas le taper, ouais ça devrait le faire sans souci, on va te mettre là, toi tu vas le taper aussi, toi on va dire que tu peux taper aussi, toi tu t'en vas, toi tu t'en vas. Et toi, t'attaques aussi très bien. Je laisse taper surtout ceux qui ont pas beaucoup de vie dans l'espoir qu'ils régènent. Oh, c'est peut-être même pas nécessaire que lui vienne taper aussi. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû bouger eux. Bah ouais, du coup, il n'y a pas beaucoup qui vont gagner de la vie. Tant pis. On a réglé le village. On n'a plus de déplacement. On a fini le marché central. J'ai beaucoup d'or de revenus. Je sais pas exactement pourquoi. Est-ce que c'est le marché central qui fait ça? Route commerciale 0 sur 2. Alors. J'ai aucune route. Ça, j'ai bien compris. Est-ce que je peux en ajouter? Cliquez sur ce bouton, affiche la liste de vos routes commerciales. Peut-être qu'il faut que j'aille leur parler. Ici. Envoyer un compliment. Notre expertise en matière de qualité, votre expertise en matière de qualité vous honore. Nous remarquons et louons votre bon goût. Ok, je sais pas si je peux faire autre chose que ça. Les vers, ils m'ont déjà envoyé tellement d'injures que je, et ils ont l'air d'être agressifs, que je pense que c'est fichu. Les vers foncés, les vers clairs, je ne sais pas. Tranche-pense nécrophage. Alors, est-ce qu'on a des villages vivants là-haut qui pourraient m'embêter? Oui. Eux, ils sont morts. Et puis, j'ai des ruines de temples aussi. Par exemple, ici. Ah, j'aurais préféré que vous veniez là. Bon, c'est pas grave. S'il n'y avait rien d'intéressant. Ah, ils sont morts aussi. Est-ce que ça se voit sur la carte avant d'être à proximité? Peut-être pas. Si, ça c'est un village vivant. Ok. On ira explorer au prochain tour.
endroit vide. Très bien, j'avais pigé. J'ai 79 par tour. Et Martin, je peux lui filer un truc qui va me permettre de rapporter plus 7 pour la ville, au global. Venant de accessoires. Ouais, c'est ça. Donc je pourrais le mettre dans n'importe quelle ville et il boosterait bien ce genre de truc. Après, il me faut une ville assez étendue pour avoir bénéficié des cases. Droit de passage. Bon, on verra. Est-ce que j'ai un nombre de... Oui, j'ai un nombre de routes commerciales par rapport à la taille de la ville, peut-être. Ou j'en ai deux dans ma capitale, je ne sais pas trop. Hop. Toi, tu n'as pas encore bougé. Bouge. Et c'est tout. Ah, j'ai un bon score quand même. Il y en a qui me... Ah, il y en a un qui est devant moi, le bleu foncé. Bon, ça va, il n'y a pas trop d'écart. Le plus faible, c'est qui? Ah, tranchement, ils sont pas très forts. C'est bon à savoir. Donc, vous allez explorer ça. Nouvelle quête, le profanateur accidentel. Un camp dressé à la hâte dans une vallée enclavée a conduit à la profanation accidentelle d'un cimetière par l'une de vos patrouilles. La tribu à laquelle il appartient révère ses ancêtres. Elle considère que vous avez souillé le sol sacré. Seul le sang pourra purifier ce site. Faut que je vainque une armée et j'aurai de la brume. Oh, des centaures. Très bien. On va les affronter. De toute façon, je peux plus me soigner. Oh, je gagne beaucoup d'or par tour. Ça, c'est chouette. Okay, à quoi ça ressemble, ça? Donc, c'est de la cavalerie. Ils ont un... pas mal. De... Ils sont mixtes dans tout. Franchement. Sauf la vitesse, où ils sont un peu meilleurs que nous. Nous on est 3, je croyais qu'on était boosté par je sais plus trop quoi. Comment on va la jouer? Je pense qu'on va la jouer en... attendez. Hop, on va s'étaler comme ça. C'est parti. Ensuite, mon chef va les taper, toi tu vas taper aussi. Et ensuite, j'irai bien... Comme ça. Hop, c'est parti. Ah, c'est peut-être eux qui vont jouer d'abord. Sauf mon chef qui va pouvoir mettre un coup avant de succomber. Comme d'hab. Oh, ils vont loin. Je pensais qu'ils allaient attaquer mon unité blessée. En fait, pas du tout. Ah, du coup, j'aurais dû leur demander d'attaquer. J'ai pas été très malin de leur demander de se déplacer. Ça marche bien quand je suis le premier à taper, mais ça c'est pas le cas. Quoi que je leur ai dit d'attaquer si... mais non, mais par exemple, eux ils vont là-bas. C'était pas un bon plan. À 0 malheureusement. On doit pouvoir les achever ceux-là. Et ensuite, ici, on attaque. Ok, je sais pas bien ce qu'il fait. Là, il a grimpé sur une hauteur. Mais il m'a... Ah si, il m'attaque quand même. Et lui, il s'enfuit. Ah, il peut s'enfuir loin.
contre gratuit, je me demande si c'est pas qu'il contre à chaque fois. S'il contre une fois de plus, je sais pas trop. Ouais, du coup on peut pas le rattraper lui là-bas. Bah même stratégie. Il se promène beaucoup. Ah, sauf que cette fois-là, il y en a deux qui sont à côté de toi, mon gars. Bon, et puis il est mort comme ça. Hop. J'en ai qui sont à nouveau full vie. Très bien. On va finir par l'avoir là si on attaque tous. Quoique 13 par 13. Alors, vous deux, attaquez lui. Les autres, vous attaquez celui qui est cerné. Hop, c'est parti. Allez, un petit coup critique. Ouais, on ferait vraiment très peu de dégâts avec mes unités. Elles tankent super bien, mais... ça devrait passer comme ça, au moins pour lui. On va pas être à la sixième phase d'ailleurs. Bon, je sais pas si on va arriver à les tuer ou pas. Ah, il s'acharne sur mon unité. Heureusement, j'ai énormément de vie. C'est bien ça, tout le monde attaque. Ah, il s'enfuit, c'est pas grave, on va les suivre, on va se poser comme ça. Ah, c'était la phase 6, si on l'a pas, on va pas gagner. J'espère que j'aurai l'or quand même. Mais je pense qu'il faudra que je les attaque au prochain tour. Ah, je peux faire ça. Très bien. Hop, quête terminée. D'accord, comme ceux qui m'avaient attaqué, moi j'ai le droit de contre-attaquer plus tard. Alors, vous obtenez la victoire et causez la mort d'innocents. Très bien, c'est tout à fait dans notre état d'esprit. Y a-t-il des points intéressants à aller voir? Gisement de verre d'acier. Ouais, je pensais plutôt à des ruines. Ou à des peuples encore vivants. Il y en a là-haut. Je sais pas si on va les embêter ou pas. On pourrait aussi taquiner les armées voisines, mais j'aimerais bien avoir un deuxième stack de 6 avant de faire des coups comme ça. Ah, je sais pas si j'ai ramené les troupes. Alors, faites progresser un quartier ou un centre-ville au niveau 2. Ça, j'ai pas encore fait. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai lui. Hop, viens là. Et... Hop, va dans la garnison. Ensuite.
ici. Peut-être qu'il me faut une science pour faire des trucs au niveau 2. Science de la gestion, Siri, registre d'apprentissage, plus 1 pour le terrain avec forêt, pas mal. Sur exploitation. Oh, 15 brut, 20%. Ça, j'en aurais bien besoin à certains endroits. Déverrouille les armures en titane ou en verre d'acier de niveau 2. Oui, je prends. Plus tard, bien sûr, mais... Avant-poste routier. Musée national. Oh, ça coûte des ressources que je n'avais pas encore vues. Entrepôt, Académie royale. Armure extraordinaire. Déverrouille les armures en adamantium. En adamantium ou en palladium. J'ai plutôt d'habitude des adamantium et palladium qui doivent être les termes latins. Alors. Ah, ça c'est fort aussi. J'espère que j'ai pas loupé la recherche en question. J'ai laissé passer sciences militaires. Teinture émeraude, or épicé 20. Dans les zones où les ressources demeurent cachées, blabla, moins de chances de rien trouver. Ok. Bref, je ne le vois pas pour l'instant. On va bouger vers le nord. Qu'est-ce qu'il y a ici? Un extracteur. Je pourrais aussi, stratégiquement, pour me défendre, ne pas construire de ville dans cette région-là. En construire une ici. Qui serait très au nord et très protégée par la proximité de mes autres villes. En plus de me donner une visibilité incroyable et une position dans les hauteurs en cas de défense. Et me servir des deux autres colons pour construire là-haut. J'en ai un qui booste les forêts. Sachant que cette zone-là, je la trouve pas terrible. Celle-là, elle est déjà mieux. 2 et 1. En même temps, 2 et 1, c'est pas terriblissime. Au moins, c'est un terrain avec de la science qui se booste. Là, la zone a l'air super bien, alors qu'avant, c'était un 1, 2... Ah, il y a compétence du héros. Connexion à la brume. Toundra rocheuse. C'était un 1, 2, 1. Et grâce au labo géologique et à mon héros, j'ai boosté la science et les pièces et la brume. Système d'enrichissement, bibliothèque, extracteur de verre. Là, j'aurais plus besoin de marteau pour aller un peu plus vite. Et là. On pourrait faire un marché central. Je sais pas si je ne peux en faire qu'un ou pas. De toute façon, plus 25% d'approbation, c'est bien. Ça coûte un peu de frais, bon. Les cavaleries d'élite, j'ai déjà commencé. Donc on va la finir. On fera après le marché central. Marche avant. Et on finit notre tour. Ah, je peux soigner mon héros. Ah, faut dire, maintenant que j'ai plus 74, c'est mieux. Heureux, amélioration. Caisse de la ville. On est en été aussi, je crois qu'en été, j'ai un boost sur les pièces dû à une technologie.
On va revenir dans ma région, ça va me permettre d'améliorer mon héros. Accessoires supplémentaires, ouais. Défense du héros. Ou alors j'essaye d'aller jusqu'à défense des unités. Position de renfort pour l'armée. Oh, pas mal. Faut aller loin, mais. Immunité contre la réduction des déplacements en hiver sur l'armée. Immunité contre la réduction d'attributs en hiver. Ah, pas mal. Compétences. Ça réduit les chances de rien trouver. XP par tour pour les unités de niveau 2, 3. Ok. Moins de frais militaires, c'est pas mal aussi. L'hiver n'a pas d'effet négatif. Et là, c'est sans... surtout des trucs de ville. On va plutôt aller par là. On va le soigner. Et soigner tout le monde, allons-y. Le système d'assainissement est fini. Est-ce que ici je peux améliorer mon... Ça s'afficherait ici si je pouvais l'améliorer et je ne le vois pas. Bon. Alors mon héros, on va continuer. On va aller... Ah, ruines intactes, j'ai une quête avec ou pas? Non, j'ai pas de quête. Donc on va aller voir. Ouais, je préférerais qu'il traverse pas la région du voisin, mais bon. On a fini le colon. Ok, très bien, ils ont monté le niveau. Là, c'est au prochain tour. J'ai un seul de population. On va remonter à 2. On pourrait même monter à 3 assez rapidement derrière. On va faire un groupe et l'envoyer ici. Ici d'ailleurs, je voulais faire une extension par là. Peut-être encore plus pour avoir les 3 de science, les 2 de. Bon, les extensions après ça coûte des sous, donc ça coûte 10 me semble-t-il. Donc il faut que quand je fasse l'extension 6-4, c'est juste transformer 6 pièces en marteau. C'est pas terrible terrible. On est parti pour le marché central. Ah! Nouvelle ère de recherche. On pourra avoir les armures de niveau 3. Les unités que j'entraîne maintenant seront niveau 3. Ok. Mais coûte plus cher. J'aperçois le cristal de sang, l'herbe à soie, les feuilles de lune, le vif argent et les os de géant. Et... les ressources stratégiques adamantian et palladian. Très bien, très bien. Est-ce qu'on continue avec notre science de niveau 2? Ouais, plus 15, c'est quand même vachement chouette. Et puis les trucs de niveau 2. Ou alors on passe tout de suite aux trucs de niveau 3? Ah, mais ça coûte des ressources spéciales, donc on verra. En tout cas, on va faire celle-là et après on verra. Les extracteurs de ressources classiques. Plus 20 sur la ville. Et plus 30%. Et plus 4 par citoyen. Changement de plan. Toi, tu vas passer en deuxième. On va commencer par faire le bâtiment qui nous fait du plus 20.
Et plus 30%, il a dit 30% sur les 34 plus. Ouais, je suis pas sûr que ça s'applique sur tout, mais ça va faire un gros boost aussi, les 30%. Pour mes villes qui produisent de la brume. Allô? Alors, oui, c'est bon. Faut que j'arrête de trifouiller mon câble, sinon on va plus m'entendre. J'espère que ça va pas durer longtemps. J'ai une ville qui ne rapporte quasiment rien en brume. On va pas. Bon, deux villes pour dire vrai qui ne rapportent quasiment rien en brume. Sur lequel on va pas construire des bâtiments. Quoi de plus 20? C'est plus 20. Tant pis si les plus 30 servent pas. Pas de mine qui a monté le niveau. Tout ça. Comment ça? Ah, mais si, regarde. On met en dézoomage. De Palandir. Herbatois. Vignes. Donc je vais pas te fermer. C'est ça. Ressources stratégiques. Ici, là-haut. Et on les voit bien avec cette carte. Il y en a là aussi. Et j'ai pas encore les extracteurs. D'ailleurs, celle-là aussi a une belle vision. Palantir, mais qu'est-ce que c'est? On dirait des atomes grandeur nature. Ça fait un bruit. Notre bâtiment français s'appelle Limiter à un exemplaire en notre nom. Il peut être construit sur les eaux côtières ou mal exploitées maintenant, près des routes maritimes, avec ses diamants et ses diamants. Ça c'est les armes et ça c'est les armes et les accessoires sont pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour le suivant.